Eh bien salut tout le monde, c'est votre Carx, j'espère que vous allez tous très bien, car on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo best-of sur Battlefield 4 pour la chaîne IF France. Et on commence tout de suite avec Bahamut qui va nous montrer comment gérer un sniper avec un viseur très très compliqué. Bravo à toi, un beau headshot sur le pilote de l'hélicoptère. C'est au tour maintenant de Infamous Thor de faire le meilleur départ de game imaginable avec un tir en headshot sur un pilote d'hélicoptère à plus de 600 mètres, absolument parfait et impressionnant. Capuzzi HD aujourd'hui a décidé, depuis son hélicoptère, de défier les lois de la gravité avec un smoke sorti de nulle part, mais qui va fonctionner très très efficacement, c'est moins qu'on puisse dire. Il a dû s'impressionner lui-même, vous voyez, il est même allé vérifier ce sur quoi il avait tiré. Maintenant c'est Chocho qui voulait montrer qu'avec un C4, on pouvait tout à fait faire le travail d'un lance-roquette. C'est un hélicoptère donc qui n'a rien vu arriver puisque l'ennemi venait d'au-dessus et c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément l'habitude de voir. Et voilà, il déploie ce C4 et c'est un tireur, le tireur latéral droit qui tombe et qui amoche au passage pas mal l'hélicoptère. C'est Sergent Enigma qui va aussi montrer que les explosifs sur des véhicules, ça marche plutôt pas mal. Et c'est l'avion qui suivait qui va ramasser son RPG en plein sur l'avant de son avion. Et ça fait très très mal comme vous pouvez le voir. Tentacle Potato qui fait un beau petit tir pour commencer à la CR. Bien entendu c'est un commencement. N'oublions pas que la CR est une arme de courte et de moyenne portée. Donc quand on voit un ennemi aussi loin comme il le voit, eh bien il faut les abattre avec une autre arme. Évidemment le SMO est redoutable en ingénieur pour faire ce genre de shoot à très longue distance. Remarquons quand même qu'il a une précision assez incroyable. Il ne va pas rater un seul tir de SMO. Mais pourquoi s'arrêter là, bien entendu? Il lui reste des balles, donc il va se retourner et constater qu'il n'est plus tout seul. Donc on commence par tirer un RPG et on achève à la CR du travail propre et efficace, comme on aime en voir. Mais encore une fois, quand il vous reste des balles, on ne s'arrête pas là, on est dans Battlefield, on va jusqu'au bout et on gagne. Deux ennemis, le premier qui tombe, puis le deuxième, et on ne laisse aucune balise, ne donnez jamais aucune chance à l'ennemi de réapparaître facilement. Il faut vraiment gagner. Maintenant, Dark Knight Gaming qui a fait un Ranzouk, qui est le fait de sortir de son avion, de s'éjecter à pleine vitesse, d'abattre celui qui vous suit, qui vous poursuit avec un RPG. Et après, dans le même temps, de récupérer votre avion, ce qui est sûrement le plus difficile. Bravo à toi, c'est une très belle combinaison de très belles actions. Bravo à toi. Et maintenant, Black M-Satek qui va montrer que le défibrillateur est une arme à part entière. Pour ma part, encore une fois, je n'ai jamais vu un coup de défibrillateur aussi improbable mais aussi efficace. Il est allé chercher sur le bateau ennemi, quelques secondes avant que le bateau explose et que ce soit la fin de la partie, un kill au défibrillateur sur le tireur. Bravo, c'était juste improbable et parfait. Assassin, je serais vraiment inquiet de jouer contre toi parce que tu ne te laisses pas faire du tout. Assassin qui a décidé de tuer tout le monde au fusil à pompe, tranquillement. Abuel Obitre, pardon si je t'ai écorché ton pseudo parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas bravo à toi parce que je n'ai jamais vu autant de fail au centimètre carré après plus de 100 balles tirées sur un hélicoptère. Tu penses avoir réussi ton coup, mais l'hélicoptère a décidé autrement et c'est la revenge de la part d'un hélicoptère. Tout seul, sans pilote. Et Sayad qui vient désormais d'associer son nom au mot fail puisque c'est un premier tir échoué sous le joueur. Vous avez bien entendu, il a tiré sous le joueur au lance-roquette. Un premier coup de couteau raté, un deuxième et pourquoi pas un troisième pendant que l'on y est. Sayad, vraiment j'ai de la peine pour toi parce que tu auras donné tout ce que tu pouvais pour l'abattre, mais l'ennemi a décidé autrement et t'as mis une balle. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne IF France et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec des youtubeurs comme Drunkzy par exemple. Ciao, bye.